En même temps, j'ai pas trop le choix, quoi. Bon, eh ben, on est parti. Nous allons avancer vers la citadelle par voie terrestre pendant que vous nettoierez les cieux. Attendez-vous à une résistance opiniâtre. Natraxas ne tombera pas sans se battre. Rendez-vous dans la cour centrale une fois que ce sera fait. Bonne chance. Pourquoi je le sens mal? Un seigneur de l'effroi autrefois Peut-être. mis service dans le temple. Je perçois une grande noirceur au loin. Soyez sur vos gardes. Mec, on est entouré de noirceur. On est entouré de la Légion. D'accord, ok. Donc surtout, le 4, c'est un bouclier. Ok. Ok. Ok, c'est bon. J'ai commencé à comprendre comment m'en servir. Alors, c'est pas intuitif, hein. En fait, le canon, il tire tout droit. C'est quand même violent, hein. Ok, ici je peux pas couper, je sais pas pourquoi. Ça va être... Non, c'est pas un... Je peux pas interagir avec ça. Alors, pourquoi je peux pas... Pourquoi je peux pas fermer toutes les failles? Celle-là, je peux pas interagir avec, je sais pas pourquoi. Et celle-là non plus. Alors que c'est ça qu'il faut que je fasse pour continuer à... Si, ça y est. Je peux interagir avec celle-là. Ok.
Mince. Bon, ok. Le seigneur Natraxas se trouve dans la flèche, un peu plus loin. Tuez-le! Nous serons bientôt dans la cour où nous pourrons en finir avec eux. Pour Azeroth! C'est assez violent, hein. Le seigneur, hop. Donc faut que je continue avec en espérant ne pas le. Regarde ce que vous avez fait ici, d'importance. Nous sommes légion. Eh ben, ça va le faire. Oh putain. La victoire est à nous. C'était simple. Je sais pas combien il avait de life point, mais... Mais je l'ai rect. Par contre, les... ouais, ils m'ont endommagé quand même à 70%. Enfin, non, j'ai plus que 70% de points de vie, je veux dire. Donc ils m'ont endommagé de 30%. Cinématique? Oh cool, je suis modélisé. Oh, je suis badass. Oh, je suis badass. Ah d'accord, ok. Un peu moins maintenant. Oh, je suis trop... Oh, j'ai trop la classe. Oh, je suis badass. Ah, comment je suis badass. Oh, je regrette pas d'avoir l'équipement de Légion, là. Ainsi, ce qu'a vu Magny était vrai. Agramar vit à nouveau. Et sert Sargeras. La puissance à leur disposition est incommensurable. Le Vindicar ne résistera pas à leur attaque. L'âme titanesque d'Argus est la clé pour vaincre la Légion. Nos défenses doivent tenir jusqu'à sa destruction. Ou... Sargeras vaincra. C'est ça que je voulais. Comment je sors l'arme déjà? C'est pas B. J'ai oublié comment je sors l'arme. Mais je suis badass. L'armée de la lumière est prête. J'ai la badassitude. Nous battons pour notre foyer, nos familles. Notre heure est venue. Ok. Nous prévaudrons. Ouh. Ok, on a encore une quête ici. Vous rallierez-vous à notre cause? Allez. J'ai beaucoup réfléchi à notre situation. Dans l'état actuel des choses... Nous serons détruits si nous assiégeons Antorus. Il reste un espoir. Un trésor qui pourrait nous donner l'avantage dont nous avons besoin. Nous l'avons appelé la couronne du Triumvirat. Il y a une éternité, mes frères et moi avons confectionné une relique qui devait apporter prospérité à tous. Je possède encore un tiers de cette relique. Je l'ai toujours avec moi. C'est l'œil de prophétie. Les autres fragments sont peut-être encore sur Argus. Nous devons nous rendre à Makari. C'est la ville d'où nous régnons, mes frères et moi.
Ok. La console pour aller à Makari. Ok. Eh ben ok. Et donc Makari, c'est la dernière zone, c'est ça? Eh ben on débloque la dernière zone de. Finalement, on avance. Finalement, on avance. Par contre, c'était chiant. Enfin, honnêtement, que les points d'interrogation, ils n'apparaissent pas, ça c'est chiant. Ouais, je me suis zoomé à fond parce que après la cinématique, là, mon perso quand même. Regardons un petit peu quand même. Putain, la vache, tout en suspension et tout. Bon, par contre, ça marche pas comme ça la gravité, hein. Mais c'est pas grave. What's happened here, prophète? Vous, Agari, constituez autrefois le pinacle de la civilisation Eredar, un modèle de progrès qui a suscité l'intérêt des forces malveillantes de l'univers. La dernière fois que j'ai posé mon regard sur Makari, je ne pensais qu'à fuir. Talgat, mon conseiller le plus dévoué, m'a trahi. Je l'ai informé de mon intention de quitter Argus et lui ai demandé de chercher ma famille avant de me rejoindre. Au lieu de cela, il est allé retrouver Kil'jaeden. La suite, vous la connaissez. Ouais. Histoire de trahison, tout ça. Putain! Attendez une seconde. Ok, alors là c'est officiel, faut que je change vraiment de micro. Je viens de voir que j'avais un câble dénudé sur mon micro. Donc, ok, donc je me demandais pourquoi ça grésillait à mon dernier tournage de BBS, mais oui, ok, je comprends. Bon, je vais référer le son. Hein. Ok. Alors attends, parce qu'avant, voilà, j'avais un truc là. Voilà. Faut que je le check ça. Parce que visiblement, il y a un truc là que j'ai raté. Effectivement. Oui, bah oui, c'est la carte de reconnaissance, mais c'est. C'est le fief ça, mais je connais ça. Par ma lame, je Je suis le défendrai bras ce armé barbare. de la lumière. Aran Arcana. Qu'est-ce qui vous amène? Ok, alors ça c'est bizarre. J'ai pas de. La carte de reconnaissance, elle m'envoie vers. Ok. Ok, là j'ai accès à mes. C'est random? Attendez, j'en profite, hein. Tant que j'ai accès à mes quêtes de domaine, je vais les faire. Nous allons vous tuer de nos propres mains. Caliduche est prêt. Ouais, puis allez, hop. Ok.
Ok, alors par contre là j'ai plus le. Ensemble, nous détruirons la Légion Ardente. Non, là j'ai plus assez de. Là j'ai ce qu'il faut pour balancer par contre. Ensemble, nous détruirons la Légion Ardente. Il n'en restera que des cendres. Hop, puis on va balancer. Ok, c'est très chelou comment ça fonctionne. J'ai l'impression qu'en fait. Selon que je clique, j'ai accès à mon domaine de fief ou mon domaine de classe. J'agis pour la lumière. C'est assez bizarre. Là, j'ai accès à mon domaine de fief et sinon. Là, par contre, j'ai plus du tout accès à mon domaine de classe. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est assez chelou comme truc. En tout cas, là, je l'ai pas. Là, le truc de noir déclin. Alors, attendez, je regarde juste un truc puisque je suis embêté par mon câble. Possible, j'ai un chat qui a donné un coup de dent. Attendez. Je regarde juste à ça. J'en ai pour une seconde. Bon, ok. Visiblement, c'est juste la gaine qui est attaquée, mais. Pas le câble, mais. Il va falloir que... Va falloir que je change de micro. Hein. C'est un achat qui est prévu depuis longtemps, mais que je peux pas forcément. Donc, parlez à Romul. La force soit avec vous. Le Vindicar est à votre disposition. Prophète. Vous rallierez-vous à notre cause ? Cinématique. Talgat se retourne contre nous. Non. Cela ne peut se terminer ainsi. Les autres et fuyez, prophète. Nous vous obtiendrons un répit. Atun, vous n'avez pas à faire cela. S'il vous plaît, veillez sur ma famille. Cours ! Viens nous en aide ! Je te traquerai par-delà les étoiles, traître! Tu sais, j'y passais 1000 ans! Attendez. Quelque chose a bougé. Les esprits de ceux qui sont morts ce jour-là. J'entends encore le chant guerrier des Narn. Il y en a une parmi eux qui nous a ouvert la voie. Nous l'avons perdue. Je ressens sa présence. Mais son chant est amer et déformé. C'est une véritable ville fantôme en fait. Je me fais attaquer? Tous ceux qui errent ne sont pas perdus.
Ok, et... Ok. Récupérer les noyaux, ok. Tous ceux qui errent ne sont pas perdus. Et écho de machin à buter. Ok. Ils ont été si nombreux à être abandonnés. Ils demeurent ici, contraints de revivre leurs derniers instants, encore et encore. Peut-être que la meilleure façon de mettre fin à leur tourment est de terminer ce que j'ai commencé il y a si longtemps. Nous devons aider ces esprits à enfin quitter cet endroit. Oh putain. Je dois d'abord choisir une cible. J'en butais combien? Ok, en fait, je dois looter un truc. Je suis trop loin. Bon. Ouais, attendez. Alors, je dis je dois looter un truc et je loot pas, résultat. Oh. Ok. Ouais, alors attendez parce que voilà, je fais ça mais je vais pas récupérer le loot par contre. C'est ouf, attendez. On va. Alors, attendez, on va faire les choses dans l'ordre. Voilà, on a le machin écho de... Attendez, on va... Parce que, attendez, sinon il y a quoi? Il y a les pylônes anciens. Non, ouais c'est ça. Ok, en fait je... J'ai dû rater un truc. Je pense surtout que j'ai raté un truc. Ah. Allô, oui. Ça a rien fait. Il y a des pylônes. J'ai pas vu les pylônes. Mais c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est pas tuer des mobs qu'il faut que je fasse. Quoi qu'il en soit, voilà. On va... Zut. Merde.
Bon. C'était pas ce qui était prévu, c'est pas grave. Mais pourquoi ils sont en surligné D'accord, ok, faut que j'utilise des noyaux. Mais j'ai peut-être droppé ce qu'il fallait sans regarder. Non, on va utiliser ça parce que... Ok. Allez, toi, tu décèdes. Je ne suis pas le dernier. Les Eredar, c'est les bons. Alors, les fameux pylônes. C'est quoi, c'est ces trucs là? Non. J'ai un truc là. Ça a pas l'air d'être ça. Je vois pas trop ce que je dois activer en fait. Ok, je vais juste attendre quelques secondes pour. L'idée à mon avis c'est voilà, je vais aggro. Est-ce que ça perd des points de vie? Ouais, le truc c'est que ce truc là perd des points de vie. L'objectif, ça serait voilà, d'utiliser la lumière au maximum. Allez, 4 secondes. Voilà. Ok, j'ai un noyau du pylône. Maintenant la question c'est qu'est-ce que j'en fais? Alors je vais éviter de rester là. Ok. C'est les trucs qui sont couchés, ok. Bon, maintenant que j'en ai récupéré un, je peux les activer, ok. Avant, c'était pas sélectionnable. Enfin, c'était pas en surbrillance. Je vais quand même essayer d'aller voir si... Putain, ok, j'ai le deuxième. Ok, premier... J'ai eu le deuxième.
faut que je trouve le troisième, j'ai pas vu où il était. On va y arriver, on va y arriver. Il est là-bas, ok. Attends, il manque un... Si je dis pas de bêtises, il me manque de toute façon un... Un fragment. Hein. Parce que j'en ai récupéré que deux, hein, il me semble. Ok. On va utiliser la stratégie. On va essayer de faire ça comme ça. C'est bon, j'ai le dernier. Il reste plus qu'à aller activer le pylône. Et on est bon. C'est bon. On a tout fait. Il nous reste plus qu'à aller revoir le prophète. Et on est bon. Décisif. Si nous pouvons activer les défenses de l'arène, le combat sera terminé. C'est l'instant décisif. Si nous pouvons activer les défenses de l'arène, le combat sera terminé. Ok. Nous devons nous unir contre la Légion. Faut que je rentre là-dedans. On va essayer de faire ça. Ok. Bon, bah ça a été simple. Le peuple ne saura jamais à quel point je l'ai pleuré. Quelles ont été mes regrets. En voyant disparaître Argus à l'horizon, j'ai supplié les Naharu de faire demi-tour. Telle n'est pas votre voie, m'avait-il dit. Est-ce cela qu'ils avaient en tête? Tous ceux qui errent ne sont pas perdus. Vous rallierez-vous à notre cause? Ok. Tous ceux qui errent ne sont pas perdus. Nous devons nous... Il est temps de suivre notre propre voie. Très bien. Balise en approche. Faites attention, prophète. Arkenon-Poros, prophète. L'armée de la lumière se tient à vos côtés. Votre aide est la bienvenue, Faria. Eh bien. Vous rallierez-vous à notre cause? Tous ceux qui errent ne sont pas perdus. Ok, l'archimage. Nous devons nous unir contre la Légion. Nous cherchons le cachet de l'éveil. Archimonde l'a peut-être laissé dans le conservatorium. Compris. J'ai la personne idéale pour ce travail, Ymera. À vos ordres, capitaine. Et Nara, assurez-vous que ces esprits restent tranquilles. Les autres, sécurisez la zone. Je vais retourner sur le Vindicar.
Une fois sur place, je trouverai la position du cimier de la connaissance. Prenez soin de vous. Ok. Bon. Eh ben, tout le monde est affairé à une tâche. Et donc moi, je dois partir pour là. Et il y aura une autre quête à faire ici. Une balise à découvrir. Ok. Une balise à ouvrir ici. Et bon, bah, on va se mettre en route. Sachant qu'on arrive à la fin de cette session de tournage pour moi. Donc, je suis encore en attaque. Il considère que je suis encore attaqué de quelque part. Je peux pas utiliser ma monture. Fais chier. Bon, bah, on va y aller à pied. Ça c'est chiant ça par contre quand ça arrive ça. L'ennemi il a été détruit pendant que j'étais voilà, il y a eu un reload de la zone quelque part. Si je fais un reload, est-ce qu'il considère que je suis encore en attaque? Ah, il galère. Est-ce que ça va restaurer justement le fait que je suis en attaque ou pas? Considère que je suis toujours en attaque. Oula. Allô le jeu. Bon. Ça va être chiant, bah on va faire ça à pied, tant pis. Tant pis, on va faire ça à pied. Ok, d'accord. Alors si par contre le jeu se met en plus à laguer comme pas possible, on n'est pas rendu quoi. Par contre c'est vrai que s'il y avait une ville ici, mon dieu, ça a été vraiment dévasté quoi. Ok. Cet assemblage devrait détenir des informations pouvant nous aider à localiser le cachet de l'éveil. Nous devons l'activer. Nous libérerons notre foyer. Dionys, Aka. Avec le bon état d'esprit, n'importe quel objet peut devenir une arme. Ok, 30 arcanas potentiellement, ok. La Légion ne reculera devant rien. Faites attention. Ok, c'est essentiellement des quêtes d'interaction et de récolte, donc ça devrait se faire quand même assez calmement. Donc on va commencer par ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ok. Si on peut éviter les combats, on les évite.
c'est vrai que ça a tellement dû être une guerre. Enfin, il y a dû y avoir de panique en fait quand. Quand la Légion a attaqué. Ok, les arcanas par contre non, faut que je tue des mobs visiblement, ça peut pas se récolter. Ça se loot. Donc ce sera fait hors caméra. Attendez une minute. Non, ouais, non, ils sont. Une fois activés, ils sont activés et c'est tout, quoi. Est-ce que je peux sans aggro? Je peux! Bon, il y a déjà cette première quête. Ensuite, il y a la seconde. Mais je vais déjà aller rendre celle-là. Ah ça y est, je suis plus considéré en attaque. Ça c'est cool, donc je peux enfin réutiliser ma monture. Ok. Nous libérerons notre foyer. La Légion ne reculera pas. Faites attention. Tu m'en donnes pas une autre entre deux? Histoire de... Non. Faut que je fasse celle-là, bah, elle sera faite hors caméra. Enfin, on va voir déjà si ça loot un ou plusieurs. Et surtout si ça loot à chaque fois, parce que sinon... pas sorti du sable quoi. Ah, ok, il y en a plusieurs à chaque fois. Est-ce que je tente une méthode de schlag? Je vais tenter une méthode de schlag. Je vais perdre de la vie, hein. Ok, j'ai eu la chance de pas aggro l'autre là. D'accord, donc ça loot pas à chaque fois. Alors ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool, ça peut looter entre 0 et 5. Donc ce sera fait hors caméra. Mais voilà quoi, la technique de j'aggro plein de mobs et j'utilise le jugement de la lumière, ça aurait pu être faisable quoi. D'accord, ok. Lui, il a rien looté mais du tout, quoi, en fait. Ah la vache. Ok, d'accord. Donc, je suis pas sorti du sable pour cette quête. Bah écoutez, je vous dis, je fais ça hors caméra et on se retrouvera donc pour la suite. De cette épopée, j'ai envie de dire. Parce que
Ouais, de toute façon, je vais certainement aussi utiliser la lumière, mine de rien, parce que c'est... Et eux, ils ont... Ouais, d'accord, ok, eux, ils sont... Ah, 5 de plus. On est à un tiers. Ah, attendez. Celui-là, il est électrisé. Je pense qu'il faut qu'il soit électrisé. L'âge des arcana. Ok. Donc c'est ça le truc. Il faut que je les... Ok. J'ai saisi le concept. Ouais mais non, ça loot pas à 100% quoi. Même si... Même s'ils ont cet aspect. Ok. Mais ok, mais par contre c'est à regarder aussi. Pour le loot, c'est à regarder. Parce que lui, par contre, si je le regarde, ouais, il a pas le truc. Donc il a peut-être moins de chance d'en looter en fait. Lui, je l'ai attaqué, mais il avait rien, quoi. Bon, c'est pas grave. Le truc, c'est que si on en chope 5 à chaque fois, on peut espérer faire ça quand même assez rapidement, mais je doute. Faut voir. Je suis déjà à la moitié, hein, mine de rien. Mine de rien, ça peut aller assez vite, en fait. Le truc, c'est qu'il faut se concentrer surtout sur ceux qui sont chargés, en fait. Et puis quitte à faire, on va utiliser ça aussi. Je m'en sers très peu. Allez, est-ce qu'il loot? Oui, il loot. Allez, il y en a plus que 10 là. Finalement, on va peut-être le faire ensemble. S'il y en a d'autres déchargés qui seraient pas trop loin. Il y en a pas mal, hein, mais la plupart sont pas chargés, quoi.
Donc si on part du principe qu'il faut qu'il soit chargé pour... Zut, je l'ai pas vu lui. Ouais bah je suis désolé, c'est un élite, hein, là j'ai pas le choix. Là j'ai pas trop le choix. Tant pis, j'ai utilisé une charge pour rien. Mais il allait me faire chier. Donc voilà, il y a celui qui est chargé là qui est revenu. On doutait que je passais un peu trop près de lui. Mais que con! J'appuie sur tabulation sans le faire exprès. Bon bah là. Là. Faut que je tienne 35 secondes, au pire. Ou alors. Attendez. Non, c'est ça que je vais utiliser. J'en profite aussi pour utiliser. Oui, ça aussi, admettons. Et surtout ça, voilà. Et ben ça va. Allez, dites-moi que ça loot, ça loot pas. Ça ne loot pas. C'est vrai que ça repop vite quand même en fait. Parce que sans ça. C'est juste histoire d'aller plus vite. Allez, dis-moi que tu lootes. Tu lootes pas. T'es un enfoiré. Bon, allez. De toute façon, moi, je m'arrête là. Je vous dis, je finis ça hors caméra. Et on se retrouvera à l'épisode suivant. Je vais juste me mettre à l'abri. Voilà. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour vous, à plus tard pour moi. Mmh.